Ah merde! Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était juste une réinitialisation des PNJ, du coup il a bon, il a régénéré un peu de vie. C'est rien. Mais mon marchand du vide est en pleine forme du coup. Malganis, rien ne nous oblige à nous échapper. Aidez-nous à sauver Ravengrass et mettre fin à votre exil. Mais non, mais bute-le. Notre maître avait tout prévu. Pendant que vous courriez après un médaillon de Pacozzi, nous avons mis la main sur le véritable trésor, Remornia, qui abrite l'essence de notre cire. Notre mission n'a jamais changé. Depuis des siècles, nous accomplissons secrètement la volonté du maître à travers les mondes. Le fléau, Arcus, le simple et à présent, la partie touche à sa fin. Gardez donc votre joujou et votre royaume. Tout ça n'est que poussière face aux ambitions de notre sire. Si seulement vous aviez su obéir. Il parle de Sargeras, là ? Ah, l'âme qui pourrait un jour sauver l'Ombre-Terre est arrivée. Nous allons affronter l'inexorable infinité des ténèbres. Mais nous serons ensemble. J'ai lu votre nom sur un bon paquet de stèles fraîches. Je vais immédiatement mobiliser mes troupes et en détacher une partie à Corsia. Je vais également veiller à ce qu'on leur fournisse les instruments invoqués par la baronne Vagy et Keltas afin de nous prémunir des éventuelles incursions des Natrezim. D'autres affaires m'appellent avant que je puisse me rendre sur place. Il me faut notamment protéger le donjon de la domination des infiltrateurs qui cherchent à s'y introduire. Le primat sera sans doute curieux de savoir où nous en sommes. Allez vite l'informer de votre succès. Allez voir le primat. Je collecte autant de justiciers que de criminels. Alors à bientôt. Ok. Mais lui, les gars, honnêtement, butez-le, hein. Soyez pas con. Flaguez-le, hein. Ce mec est un danger. Bon, bah, retour à Corsia, en tout cas. Hop. Ah, ça, par contre, c'est le plaisir. Ça fait plaisir de ouf, par contre.
Ouais, remarque, je suis en train de voler, mais je vais utiliser ma pierre de foyer en vrai pour retourner à Corsia. Hop, je passe à Tra, les deux. Voilà, le trajet habituel. On fait Satra, Orgrimmar, Auribos. Et depuis l'Auribos, on saute dans l'antre. On a juste 3 TP à faire, c'est rien. C'est moins long que le fly. Ah, je voulais tester un truc avant de... Bah, je peux le tester ici. Non, donc à Auribos, je peux pas voler par contre. Comment ça se fait que lui, sa vie est apparue? Chasseur de démons. Bah, ouais. Pourquoi sa vie est apparue à lui? Bon, bref, j'en sais rien. Oui, je saute dans l'antre. Ouais, je m'oriente avec la minimap hein, quand le... Ah d'accord, alors normalement par contre je suis censé voir maintenant. C'est bon. Ah, sans entrave. À présent que Renata l'a récupéré les médaillons, les Ventir peuvent forger un nouveau cachet qui remplacera celui que Denatrius a abandonné à Zoval.
Mais restez sur vos gardes. Le retour des Natrezim n'augure rien de bon. Je suis à 100% de renom chez les Vampires. Les quatre congrégations sont réunies et l'espoir renaît pour l'Ombre-Terre. Tu radotes. Ok. 79 sur 79, du coup, est-ce que je change de congrégation? Parce que je peux faire ça. Je peux changer de congrégation pour augmenter ailleurs. Je reviens à Corsi après. Mais je serais tenté de faire ça. Alors, on a fait des tests avec Harry, hein, du coup, je peux changer de congrégation. Et ce sera... et en fait, mes points dans la congrégation précédente sont sauvegardés. Du coup, je peux aller venir comme je veux. Enfin, je peux changer de congrégation comme je veux. Il n'y a pas de souci, ma renommée chez les Vampires restera en mémoire, en fait. Je me suis paumé. C'était là, du coup. Je partirais bien chez... Voilà. Chez les Maldraxi, hein. Ne faiblissez pas. N'abandonnez jamais vos alliés. Quelque chose à signaler. Attends, je serais ravi de rejoindre les consignes. Ah putain de merde, ça casse les burnes ce bug de... Ne haïssez aucune faiblesse, n'ayez aucune pitié. Je ne vous blâme pas de rechercher une meilleure... mais dans le... Je doute... Allez, tu sais quoi? Merde! Voilà! Pourquoi il est en surbrillance, lui? Nous nous dressons ensemble. C'est vrai qu'il y a ça que j'ai toujours pas fait. C'est une quête qui est toujours en attente, ça. Laisse tomber! C'est bon, je vais rester chez les Vampires. Hein. Le jeu a décidé que je ne changerai pas de congrégation. Parce que je veux pas lire le message d'alerte. Dont il veut pas que je lise le message d'alerte. Donc, et ben voilà. Hein. Apparemment, il y a un truc à tenir en compte quand même, mais merde. Voilà. Tout simplement. Ça saoule. Bon! Un truc quand même. Non, c'était sûr que je pouvais pas voler dans... Allez. Alors, le prochain truc, c'est... Qu'est-ce que... Ok, me fait agresser. Il y a beaucoup à faire. Donc ça s'est forgé le destin, donc c'est le truc... Mais...
Des cryptogrammes et des clés. Quelque chose me dit que le... Que la quête est mal indiquée. Je vais faire le tour. Ah. Cri du cœur. La voix de Sierra s'élève du parchemin à mesure que vous déchiffrez le contenu. MDG Normand, j'ai à vous soumettre une affaire de la plus haute importance pour laquelle j'aurai grand besoin de votre aide. Venez me trouver dès que possible au cœur de la forêt. Allez voir Isera au cœur de la forêt. Ok. Du coup, on part pour Silverden. J'espère qu'on va pas être tenu très très longtemps. Parce que j'approche de la fin de ma session de tournage. Le Xylocard est flétri, mais les rêves de ses feuilles sont encore là. Pourriez-vous aider Zeyad à les rassembler? Il faut absolument juguler l'infestation de Gorm. Ma magie pourrait peut-être vous aider. On a besoin de récolter des glands d'anima, mais il y a des drusts partout. Un petit brin de magie vous aidera à vous faufiler. Je peux voler ici. J'appartiens au rêve, tout comme à la nuit sans lune. J'ai rêvé que Tyriande Murmevent était indispensable au salut de Sylvarden. Les fées nocturnes en cherchent d'autres comme elle, des guerriers de la nuit venus des temps passés. D'ailleurs, nous nous sommes adjoints
les services d'un ancien allié d'Azeroth, Win O'Rourke, pour nous aider à les retrouver. Le pouvoir des lunes est bien trop grand pour une créature mortelle. Même Tyriande, si robuste soit-elle, n'y résistera pas indéfiniment. Permettez que je vous explique la situation, puis hâtez-vous de rejoindre U1 en Maldraxxus. Parlez à Ysera pour apprendre davantage, puis retrouver Arwen au sépulcre du savoir. Sylvarden survivra à cette pénurie. J'en fais le serment. Mon long sommeil est terminé. Ok. Tout ça pour ça. Les amis de la forêt doivent être salués comme il se doit. C'est déjà. Bon, on va avoir un fly un petit peu long. Un peu long, et en vrai, on va juste aller voir ce que U1 nous veut, et on va s'arrêter là pour cette session de tournage. Déjà, en attendant. Ah ouais, vous avez pas la musique du coup, vu que je fais ça. Mais juste, je vais faire donc le déjà le tri des vidéos. Tac tac tac. Ok. Donc cela c'est bon. Ok. Ok. Voilà, comme ça dans mon dossier de vidéo. Oh, on est qu'à la moitié du parcours quasiment. Attendez, je vais continuer alors. Je continue un petit peu. Hop. Alors. J'ai combien? 21 éléments. Et 184. On doit être à l'épisode 184, si je dis pas de bêtises. Hop. Ouais, c'est ça, on est en cours de l'épisode 184. Ok. Donc j'aurai 3 épisodes à... Le Primat a remporté bien des batailles rangées. Faites honneur à sa mémoire. J'aurai 3 épisodes à encoder ce soir et à uploader.
Ok. Je peux voler ici, hein? Oui. On va gagner du temps. Elle est immense, cette montagne. Nous ne pouvons pas laisser les dévoreurs prendre pied en Maldraxxus. Ils anéantiraient tout. Détruisez-les. Ah, je vous attendais. Vous visez toujours juste. Nous ne pouvons pas laisser les dévoreurs prendre pied en Maldraxxus. L'union fait la force. Alors, Ok. Si ma traque s'est avérée ardue, j'ai deux pistes susceptibles de nous mener à d'autres guerriers de la nuit. La première m'a mené ici même, en Maldraxxus. Cette tour abrite les archives répertoriant l'ensemble des âmes envoyées dans ce royaume. L'une d'elles est surnommée la lame de, dans la nuit. Et je pense qu'il s'agit de notre prochaine candidate. J'ai croisé bon nombre de pièges en chemin. Et bien d'autres nous attendent encore dans la tour. De toute évidence, quelqu'un cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas nous laisser faire. Fouiller le sépulcre du savoir en quête d'indices. Tout ça pour 12 pièces d'or. Ma spécialité, ce sont les empreintes. Pas les livres. Voyons ce que nous révèle notre proie. Essayez de faire ça vite fait, mais... même cet endroit. Faut qu'à la nuit, je sois parti. Donc dans une demi-heure, faut que je sois parti... Un piège. Il fallait s'y attendre. Prudence. Ils ont réussi à descendre en marcheur, quoi. Encore un piège. Le livre est entouré de toiles d'araignée. Notre proie ne veut vraiment pas qu'on la trouve. Aucune proie ne veut qu'on la trouve. Je n'ai pas de cible.
Merde. Nous avons choisi bien mal. Oui, bah ça va, j'aimerais t'y voir. Même moi, je n'y aurais vu que du feu. Ces griffures sur la couverture. Même moi, je n'y aurais vu que du feu. Je dois d'abord choisir une cible. Tu reviens. Renvoyez-moi. Allez, d'instinct, je dirais celui-là. Nous avons choisi bien mal. Notre proie semble férue d'acide et de poison. Il n'y en avait pas ici, il n'y en avait pas à l'étage. Ok. Je n'ai pas de cible. Non, j'ai un Necronomicon. D'accord, ok. Ça ne fait aucun doute. C'est un espion des yeux que nous traquons. Effectivement. Et j'exige de savoir pourquoi. Toujours nous murmurons. Une guerrière de la nuit de mon monde. Tyran de Nurmevent court un grave danger. Mon ami m'a demandé de trouver d'anciens guerriers de la nuit pour l'aider. Pour lui épargner une mort atroce, vous voulez dire? Je vous aiderai au nom de notre alliance, mais pas avant d'avoir accompli ma mission. Toi, tu vas être chiante. Que désirez-vous?
Le silence est la meilleure armure. Oh bordel. Avec ma baronne Dame Vagy, j'ai confié une mission avec un peu d'aide. Ma vengeance sera rapide, mais elle doit accepter votre intervention et ma venue pour vous assister dans votre tâche. Rendez-vous au siège du Primat et nous en discuterons avec elle. Allez voir Dame Vagy au siège du Primat. Ok, nickel. Je dois regagner la bonne adresse. Bon, moi je veux ça, moi. Bonne chasse à vous. Rejoignez-moi au siège du Primat. Le Necronomicon, là, je le veux. C'est une parodie du Necronomicon. De... Avez-vous un secret pour les yeux? De Lovecraft. En vrai. Avec les nouvelles recrues, il va falloir de nouvelles montures. Et il faut être particulièrement courageux, ou idiot, pour capturer une aile écorchée. Nous ne pouvons pas laisser les dévoreurs prendre pied en Maldraxxus. Ils anéantiraient tout. Détruisez-les! Le Primat a remporté bien des batailles rangées. Faites honneur à sa mémoire en vous imposant en ce lieu sacré. On ne me prend pas à la légère. Khalid, éliminez les sbires de Kel'Thuzad, infiltrés dans la maison des rituels. Vous pourrez ensuite aider la guerrière de la nuit. Avec votre permission, baronne. La baronne ordonne et j'obéis. Restez dans les ombres. Ok. Gardez l'œil observateur. Bon, on saura que ce sera là. Oh. Bah. Repos. Vous avez vos ordres. Pourquoi t'es encore en point d'exclamation vert, toi? J'écoute. Célébrez vos victoires et apprenez vos défaites. Bon. Bon, allez, ce sera ici la suite. Moi, je coupe là et je vous dis à tout de suite pour vous, à beaucoup plus tard pour moi. Je sais pas quand. Bien, nous nous retrouvons, j'ai à peu près eu 2h, 2h30 pour tourner, grand max, du coup, let's go, ouais, c'est ça, ouais, un peu ça, c'est ça, à peu près, 2h30. Hop. Toujours nous murmurons. Pas d'échappatoire. Zelmani a joué un rôle clé dans la chute de notre margrave. Sin Dan pense qu'il cherche à rassembler des partisans restés fidèles à Kel'Thuzad afin de l'aider à faire sa prochaine entreprise. De l'aider dans sa prochaine entreprise. À charge pour nous de remonter sa piste et de le mettre hors d'état de nuire. Rassembler les indices, puis tuer Zelmani. Ok. pas de dérobade. Certains ont pris bien soin de cacher leur lien avec Kel'Thuzad, même après son crime. Eux aussi sont en partie responsables de la chute de Montmargrave. Et c'est une heure... C'est une erreur qu'ils doivent payer de leur vie. J'ai déjà un nom, Drava Ura, mais il y en a d'autres. D'après Sindan, ces scélérats ont en leur possession des marques de faveur, faute d'avoir identifié nos cibles.
Nous allons frapper dans le tas et tuer tout ce qui bouge jusqu'à ce que nous les trouvions. Comme ça, les autres sauront à quoi s'en tenir. Ouais, tuez-les tous du reconnaître les siens, quoi. Ok. Bon, en gros, le dernier nom de la liste est celui d'une liche Falzinge. Bon, on a compris l'idée. Restez dans les ombres. En gros, on part à la chasse aux traîtres contre le Margrave, quoi. Ok. On a un fly à côté ou pas? Dites-moi. Ouais, c'est... Ouais. Célébrez vos victoires. Vas-y, on va y aller nous-mêmes, parce que... Avec les nouvelles recrues, il va falloir de nouvelles montures. Et il faut être particulièrement courageux, ou idiot, pour capturer une aile écorchée. Les recherches de notre maison se poursuivent. Peut-être pourriez-vous aider à rassembler les composants de notre dernière mixture en date ? La baronne ordonne et j'obéis. D'accord, ok, d'accord. Bah qu'on bute ce mec-là, là. Quoi ? Margrave, mettez fin à cet affront. Ce traître aura lui aussi ce qu'il mérite. Gardez l'œil observateur. Ah,
Non, mais ils ont des boucliers. Il me faut une cible. Les sbires de Kel'Thuzad poursuivent son œuvre même en son absence. Nous devons les exterminer. Eh ben, pas sorti du sable. Nul n'échappe à notre magie. Je n'ai pas de sable. Devenue guerrière de la nuit, c'était pour venger mon peuple, et ça n'a pas changé. Je dois d'abord choisir une cible. Wow. Bon. Des intrus! Abattez-les! Ce n'est pas le destin qui... Je sens que ça va être long, ça va me casser les burnes.
Wow, eh. Je suis en dehors de la zone en fait. Depuis tout à l'heure. Ah non, je suis dedans. Non. Débarque. Je dois d'abord choisir une cible. Ok, lui il est trop loin. Je retourne à la poussière. Non mais par pitié là, bordel, il y en a 10 à récupérer, ça fait déjà 50 mobs que je bute là. L'auto-drop là. Bordel, 2. Wouah. Ah d'accord. Ouais, vas-y, on va faire un petit carnage là. On va attirer les deux qui sont là. Vous allez regretter cette intrusion. Petite graine de corruption. Hop. Voilà.
Je n'ai pas de cible. Vegraxus est à nous! Ils vont m'attirer ce con, ils vont m'attirer l'autre con! Non, c'est bon. On va passer par là. Ceux qui ont trahi Akarek vont souffrir. Guerrière de la nuit ou pas, je n'aurai de cesse de les éliminer jusqu'au dernier. Ok. Ils ont rien drop les autres là.